Dans la partie précédente, on a vu avec le langage ladder et c'était du télémécanique. Maintenant, on va voir comment faire le forçage avec le logiciel Step 7 du constructeur Siemens. Alors, dans le logiciel Step 7, il y a un bloc spécifique pour initialiser les gravesets. Il s'appelle FB1. Et il se trouve dans OB1. Bon, ça c'est vraiment à l'intérieur du step 7. Là, je ne peux pas faire la démonstration parce que je n'ai pas ce logiciel. Peut-être que j'en ferai plus tard. Bon, l'importance, c'est de comprendre comment ça marche. Alors, qu'est-ce qu'elle a, ce bloc FB1? Elle a une entrée qui s'appelle init sec, qui veut dire initialisation des séquences. Si cette entrée devient active, ce bloc en fait, il va initialiser tous les gravesets. Alors pour ça, on va utiliser une bobine RS. C'est une fonction mémoire avec comme entrée set et reset. Comme on avait vu précédemment avec le logiciel PL7 Pro. Alors, on va faire la même chose qu'avant. Pour le set, je vais programmer AU. Pour le reset, je vais programmer AU bar et rearm. Pour ça, je vais utiliser une porte E avec comme entrée AU bar et réarme. Alors, qu'est-ce qui se passe si je fais AU? Je mets à 1 la fonction mémoire, ce qui permet d'initialiser les gravesets. Si je fais AU bar et réarme, je remets à 0 la bobine, ce qui permet de libérer les gravesets et de passer en fonctionnement. Bon, ce genre de langage est ce que l'on appelle le langage logique. Pourquoi? Parce qu'on utilise des portes logiques, tout simplement. Mais les deux autres gravesets sont des gravesets normaux. Il y aura un graphset de conduite normal et un GPN normal. Sur papier, on dessine comme ça, mais le problème, c'est de faire les forçages. Donc, suivant le constructeur, le graphset de sécurité sera fait différemment. OK? Alors, dans la suite, on nous demande de faire le schéma de commande du système et de définir les entrées de l'automate. Pour ça, on nous donne un schéma de puissance. On fera ça dans la partie 17.